Si est une question qui anime beaucoup de jeunes parents qui utilisent les réseaux sociaux, faut-il ou non publier des photos de ses enfants où leur visage est visible? Le couple Lucille et Jérôme, candidats qui se sont rencontrés en 2020 durant la saison 15 de L'Amour est dans le pré, a fait son choix. Ils ont décidé de ne montrer leur fille Capucine que de dos sur Instagram. Même s'ils la montrent clairement sur M6, mais également sur France 2 durant leur participation à Ça commence aujourd'hui le 14 février dernier. Une différence qui interroge certains. Pourquoi vous ne montrez pas la bouille de votre puce, alors qu'à la télé si? Ainsi interrogé un abonné Instagram, alors que Jérôme et Lucille se prêtaient au jeu des questions-réponses. L'idée est simplement de ne pas multiplier les photos de Capucine, résument les jeunes parents, avant de préciser leur point de vue. Le but n'est pas de vous la cacher, nous en sommes très fiers. L'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18. L'amour est dans le pré, Lucille et Jérôme annoncent une bonne nouvelle. Les photos d'enfants postées sur les réseaux sociaux sont régulièrement détournées à des fins criminelles. Et ce semble être avec ce fait en tête que les deux parents poursuivent leur réponse. Nous voulons la protéger du mieux que nous le pouvons, en prenant en compte l'environnement et le contexte dans lequel elle est née. Si est-il à dire notre exposition médiatique? Si est-il un choix, la télé, si est-il une chose, les réseaux sociaux, si est-il un autre sujet. Lucille, originaire de Bretagne, s'était portée candidate à la 15e saison de L'Amour est dans le pré après avoir découvert le portrait de Jérôme, agriculteur céréalier et maraîcher installé dans l'est de la France. En juin 2021, un peu plus d'un an après leur rencontre, le couple annonce attendre son premier enfant, la petite Capucine, née le 12 octobre 2021. Le 2 février dernier, les jeunes parents annoncent qu'ils attendent un deuxième enfant, dont la naissance est prévue pour juillet prochain. Crédit photo, capture d'écran Instagram.